Oui, Mink, tu dis que tu changes la moto, c'est un type putaclic, Non, non, hein, si, j'ai pas dit je change de moto, j'ai dit je change la moto. T'aurais préféré quoi que je mette? Oui, je change la moto, mais en fait c'est pas deux motos, c'est des pièces sur la moto. Attention, de toute façon ça rentre pas, hein, voilà. Ça rentre pas, je suis pour rien. Demandez à YouTube. Engueule YouTube, m'engueule pas moi, connard. Wow, j'ai vénère là, ok? Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de rouler comme un connard en supermote? Bon, ouais, t'as vu dans le titre que j'avais changé ma moto, hein? Bon, comme tu vois, j'ai pas vraiment changé ma moto. J'ai pas changé deux motos, hein? Qu'on soit bien clair. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? Regarde, j'ai mis des protège-mains. Waouh, hey, c'est sympa, hein? Sauf que j'avais pas vu que ces putains d'attaches de protège-mains rouillaient, hein? C'est cool, hein? Putain! Ah, mais c'est une blague, quoi! Il y a aussi les poignées. Ouais, waouh! Hey, ça fait mieux, regarde, blanc, blanc. Hein, blanc et noir, t'as vu? Attention, il y a les mêmes de l'autre côté. Cette attache est plus grande, cherche la logique. Hein, voilà. La moto est propre, vous avez vu, regardez, regardez cette propreté extrême. Waouh! J'ai repeint ça, parce que là il y a une petite rayure, du coup j'ai tout repeint. Et j'ai repeint aussi ce côté-là. Pour repeindre, j'ai pris de la bombe motype, donc de la bombe noire, de la couleur primaire, donc bombe primaire, puis j'ai mis du vernis. Hein, le Globe Rider, il est gentil, il m'a aidé, il a la main dans le plâtre, il m'a aidé. Regardez, j'ai mis des autocollants X-Limit. Bon, là c'est à l'envers, mais là. Ouais, c'est à l'endroit. Bah en même temps, ouais, je vais vous raconter l'histoire de ces autocollants, c'est dingue. Il y a aussi ces autocollants-là. Waouh, là vous vous dites. Non mais Mick, pourquoi t'as mis des autocollants X-Limit juste sur ces deux côtés-là? Alors c'est très simple. Je vais vous montrer un truc. Avec le Globe Rider, j'ai essayé de coller des liserés de jantes. Ouais. Alors on a déjà essayé de faire des liserés de jantes autocollants. Ça marche pas. Nique la logique. Donc il m'a dit ouais, prends des trucs par transfert, tu vas voir, ça marche bien. Et il s'avère que, regardez, il écrit MBKX limite, wow. Et il s'avère que mes jantes sont insensibles au collage. C'est-à-dire que j'ai les seules jantes de la Terre qui ne veulent pas être collées par des liserés. Voilà, c'est tout. Rien ne colle dessus. On a essayé partout, rien ne colle. Donc j'ai passé la matière et c'était tout propre. Bon là, ils sont dégueulasses parce qu'il fait trop moche. Mais c'était tout propre et ça ne colle pas. Alors du coup, j'en ai mis là, voilà, j'ai mis X limite là. Et ça fait bien. Je voulais rappeler les touches de blanc, je suis dégoûté. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire sinon d'autre? Attendez, je mets la catapte. Je vais repeindre le pot en noir parce que là le pot commence à être rouillé, moche, dégueulasse. Du coup je vais le repeindre en noir mat, je vais le poncer, je vais le repeindre, ça va être dingue. Je sais pas si je vais repeindre la cartouche. Dégueulasse. Et donc regardez, je peux écrire Ming dessus. Ah ça marche pas, nick. Donc je sais pas si je vais repeindre cette merde. On verra bien. Hein, voilà. Sinon, hein, j'ai absolument rien changé dessus. Ah si, il faut que je change un truc. Je fais le tour, je fais le tour. Le kitchen. Mon kitchen est rincé. Il est dans le dessert. Regardez, il y a de la rouille sur la chaîne. Ah, dégueulasse. Il est en train de mourir. Le pignon, ça va. C'est juste la couronne et la chaîne. C'est en train de décéder. Qu'est-ce qu'il faut que je change d'autre? Absolument que dalle. Attendez, je réfléchis, réflexion. Ah oui, il faut que je remette un certificat d'assurance. Parce que le mien est périmé et il faut que je le recolle. J'ai pas le temps, ça me saoule, j'ai la flemme. Ah oui, attendez. Vous avez pas vu? Ceux qui connaissent la chaîne, ils disent oui, bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, ah, regardez, il est cassé, ah, c'est trop drôle, énorme, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ce clignotant casse environ tous les 3 jours, donc il faut que je change, ça me saoule, voilà. Donc j'en ai quand même pour un petit peu d'argent, voilà, des petites réparations, vous savez bien. Où est mon liseré? Elle est là. J'ai le liseré. Oui, donc voilà, j'ai des réparations et tout ça, un peu chiant, hein, je vous cache pas, que ça me saoule un petit peu, mais, eh bien, faut que je défasse. Voilà. Ah, donc toi, tu me sers à rien, hein, casse-toi, allez, moi, je me tire, hein, à plus le liseré. Ouais, non, quand même, on va peut-être pas niquer la planète. Allez, hein, le liseré, tu reviens, tu vas peut-être me servir en plus. Allez, hein, tu reviens le liseré, t'es gentil, on trouvera pas ça aux gens. Ça fait genre Mink, il est méchant, hein, Mink, il est vénère, il est en super mode, c'est un connard, t'as vu? Allez! Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc aussi! Oh là là, ça va pas le faire si je le monte pas! Regardez, j'ai un nouveau cadre d'embrayage! Là, il est là, là! Ouais! Mais ça, si vous étiez sur la page Facebook, vous le saurez, hein! Parce que j'ai cassé le mien, hein! Venez sur Facebook!
Vite, viens. Non, en fait, je suis pas venu. Hein, on se calme.